Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour nettoyer votre ordinateur avec CCleaner. CCleaner est un gratuitiel permettant d'optimiser le fonctionnement d'un ordinateur muni d'un système d'exploitation Windows ou Mac et de protéger la vie privée des utilisateurs d'ordinateurs. Vous allez donc chercher CCleaner. Le voilà, vous cliquez dessus, CCleaner s'exécute. Vous pouvez soit analyser avant de faire le nettoyage, soit vous pouvez passer directement au nettoyage. Donc là, je clique sur Nettoyeur. Une fenêtre apparaît en vous disant que cette action effacera définitivement les fichiers du système. Eh bien, vous répondez oui. Une autre fenêtre vous disant que Safari doit être fermé pour être nettoyé. Vous répondez oui. Ce genre de message arrive lorsque les navigateurs sont en activité et pas fermés. Pour que vous n'ayez pas de surprise, j'ai laissé les navigateurs ouverts pour vous montrer ce qu'il faut faire. Mais je vous conseille de les arrêter avant. Donc Safari doit fermer un processus interne qui sera redémarré après. Souhaitez-vous le faire? Réponse oui. Et maintenant, une fenêtre apparaît vous demandant votre mot de passe administrateur. Vous le rentrez sur les champs et vous cliquez sur le bouton bleu. Firefox doit être fermé pour être nettoyé. Souhaitez-vous que CCleaner ferme Firefox? Vous répondez également aussi oui. Souhaitez-vous que CCleaner ferme Google Chrome? Et bien, réponse oui également. L'analyse est terminée. Et maintenant, vous cliquez sur Nettoyer. Cette action effacera tous les fichiers du système? Et bien, vous répondez oui. Les fichiers inutiles, bien sûr. À nouveau ce message et vous répondez également oui. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas si long, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que je vous conseille d'arrêter vos navigateurs. Voilà, ainsi se termine ce tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et à bientôt sur Ordi94.